Tu es en 2022 et tu sais pas que dorénavant que quelqu'un t'envoie un message sur WhatsApp, la personne ne peut plus supprimer grâce à une application. Bah, si tu sais pas, il est encore temps de te mettre à jour. Salut, salut. Bienvenue sur la chaîne Info Asus Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans le tuto que nous allons voir ensemble, nous verrons comment il est possible de voir un message qui a été supprimé sur WhatsApp. Donc, si tu as toujours voulu voir, ou bien un de tes amis t'envoie toujours un message et il supprime, et tu ne sais vraiment pas qu'est-ce que la personne a écrit, ce tuto va te montrer une application qui va déjà te permettre de voir tous les messages qui ont été supprimés sur WhatsApp. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de découvrir ce tuto, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Voilà, donc comme je le disais, on le sait tous déjà, lorsque tu as le OG WhatsApp, là c'est déjà inclus dedans, hein. Lorsque tu as le OG WhatsApp déjà, quand quelqu'un t'envoie un message, la personne ne peut plus supprimer. Mais aujourd'hui, l'application que je vais vous montrer, c'est à peu près la même chose que WhatsApp. Grâce à cette application, quand quelqu'un t'envoie un message aussi, la personne ne peut plus supprimer. Déjà, pour ceux qui ont OG WhatsApp et qui veulent activer cette fonctionnalité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir dans leur OG WhatsApp, ils vont venir dans les trois points ici, ils vont appuyer sur OG Setting et ils vont venir où c'est marqué Privacy and Security. Privacy and Security, ils vont venir ici. Et ils vont redescendre et vous allez voir ici, c'est marqué anti-delete message. Ça, c'est ceux qui ont le OG WhatsApp. Veuillez cocher cette option-là pour activer le message de anti-delete message. Voilà. Et il y a aussi hit view statut. Lorsque c'est activé, lorsque quelqu'un vous envoie un message, la personne, lorsque vous regardez le statut de quelqu'un, la personne ne verra pas votre nom. Et l'anti-delete statut, c'est-à-dire même si la personne a supprimé son statut, par exemple, vous allez toujours voir le statut en question. Voilà, vous allez toujours voir le statut en question. Voilà, là c'est pour le OG WhatsApp. Maintenant, l'application que je vais vous présenter pour ceux qui n'ont pas le OG WhatsApp, il s'agit de Unsend. Vous allez venir sur Unsend ici, vous allez écrire Unsend dans la recherche et vous allez installer cette application. Voilà, vous allez installer cette application. Voilà. On voit bien que on vous dit, vos amis ne sauront pas que vous lisez leurs messages. Si vous voulez lire vos messages en mode incognito, alors Unseen est fait pour vous. Ouais, j'avais oublié. Cette application aussi vous permet aussi de lire les messages de vos amis. Voilà, c'est-à-dire vous n'allez pas rentrer dans l'application WhatsApp, mais le message va venir directement dans l'application. Donc même si vous lisez, votre correspondant ne saura pas que vous avez vu son message. C'est une des fonctionnalités aussi de ce WhatsApp. Voilà. Retrouvez votre intimité dans les applications de chat grâce à cette application incroyable. Vous pourrez désormais lire les messages de vos amis incognito sans laisser de vue ou de check et ça fonctionne avec Facebook Messenger, WhatsApp et Viber. Voilà. On voit que ça fonctionne avec plusieurs applications. Donc on vient ici, on fait ouvrir. Ouvrir, on fait suivant. Unsend, on fait suivant. Suivant. Voilà. Et ici, vous allez cocher les applications que vous voulez que les messages apparaissent sur l'application. Là, même si la personne supprime, même si vous lisez, ça ne va pas apparaître. Non, il y a la Messenger, il y a WhatsApp, il y a Telegram, il y a Instagram. Voilà. Vous allez, je sais pas, vous allez choisir les applications que vous utilisez. Hein. Voilà. Donc, je choisis ces applications-là. Je fais accorder l'autorisation. Une scène en bas. Je fais autoriser l'accès. Je fais je suis d'accord. Et là, j'attends le décompte qui est en bas pour valider. OK. Retour. On vous dit garder l'application toujours fonctionnelle. Pour que l'application fonctionne correctement sans être tuée par le système, ignorer l'optimisation de la batterie et autoriser le démarrage automatique. Donc, il met OK. Voilà, on voit que déjà les messages que je reçois viennent directement dans l'application directement. Vous voyez, hein. Mettez les applications en veille. Voilà. Voilà. Donc ici, je peux montrer. Voilà. Trier. À propos de le conseil de la batterie. Donc ici, c'est l'application qui est là.
Il n'y a même pas de restrictions. Ça veut dire que l'application ne va pas se mettre en veille. Parce que si l'application se met en veille, lorsque je vais recevoir un message, par exemple, si l'application veille, ça ne va pas venir dans l'application. Donc, il n'y a même pas de restrictions, il fait le tout. Voilà. Et on voit déjà que mes messages WhatsApp sont là directement. Ça, c'est dans un groupe. On voit que les messages apparaissent directement. Voilà. Donc là, même si je regarde ici, ceux qui sont dans le groupe ne vont même pas savoir que j'ai vu le message parce que je ne suis pas dans WhatsApp. Voilà. Je ne suis pas dans WhatsApp. C'est à peu près la même chose. Aimeriez-vous savoir où se trouve... C'est à peu près la même chose que si quelqu'un vous envoie un message et la personne supprime, vous allez voir directement le message de la personne ici, directement. Et même si la personne supprime, le message va rester toujours ici. Voilà. On voit que ça, il y a Messenger, voilà, ça c'est WhatsApp, Telegram, ça dépend des applications que vous avez choisies. Donc je vous laisse tester cette application du nom de Hudson et vous allez voir qu'elle est vraiment géniale. N'oubliez surtout pas de t'abonner et de partager la vidéo à tes amis. Ciao, ciao.